par la suite pour La Rochelle. La Rochelle s'amène en plein centre. Chez l'ennemi, tire de loin. Arrêt du gardien, le retour devant. Arrêt de Lemieux. On veut remettre devant la rondelle, tout près du gardien. Oh là là! Qui réussit en prisonner. Oui, Lemieux a été chancelant sur la séquence, Pascal. Moi, si je suis les Tigres, c'est un bombardement en règle en début de rencontre que je tente sur le gardien Lemieux. Je tire de partout. De loin. Dans son territoire pour La Rochelle. Vers le centre, on rejoint Pellerin sur son revers. Pellerin veut revenir devant, l'accrocher, il y aura pénalité. Il arrive juste pour suivre la rondelle dans le demi-cercle qui est balayé. Et là, les Tigres toujours en contrôle. À la ligne bleue, la rondelle qui quitte le territoire, on s'occupe. Laisse dans l'aile pour Frenette. Frenette laisse coucher le joueur devant lui. Remet un pied au roi à la pointe. La pénalité qui prend fin. On rejoint Deg. Deg veut remettre devant le filet. La rondelle qui bondit. Coulon, et voilà le but! Olivier Coulon, les Tigres prennent les 1-0. Oh, une rondelle là, qui a été dirigée devant le filet. Le défenseur n'a pas été en mesure de la récupérer. Et en se retournant, le seul dans l'enclave, Olivier Coulombe, pas le gardien. Jonathan Lemieux entre les jambières. Les Tigres prennent les devants 1-0. Coupé par Bernard. Duchamp maintenant. Qui quitte sa zone, s'amène à la ligne rouge, envoie dans le coin. Gaucher, premier rendu à la ligne début, veut remettre devant. Oh. Et voilà le but. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là. Il faut que ça allait toucher le. Faut que ça allait toucher le gardien. On va aller voir à la reprise. Ouais. Parce que Mathieu, la rondelle arrivait de derrière le filet. Il faut que ça ait touché Urtubis. Là, on va avoir besoin de la reprise sur cette séquence. Ouais. On va avoir besoin d'une reprise sur cette séquence. Mais peut-être que les Foreurs ont marqué. Pelletier derrière le filet pour Michel. À la pointe pour Guénette. Les défenseurs s'approchent. Bernard. Bernard jongle avec la rondelle. Envoie dans le coin. Rejoint Pelletier. Du revers, devant le filet. Deux lancers bloqués par Sivigny. L'attaque, pour chasser par un pèlerin, envoie le long de la rampe. Légaré, coincé dans son territoire. On réussit à rejoindre Doucet qui se mène dans l'aile. Doucet rattrapé par Fournier. Fournier l'amène dans le fort, remet dans la grève. Un tir à vos portables. Bel arrêt d'Urtubis sur le lancer de Robida. Oh, ça, c'est un bel arrêt, Mathieu. Absolument. Il vient de garder les Tigres à égalité 1-1. Alors que Fournier avait fait le beau jeu là, d'amener là, le long de la rampe. Doucet, mais il a quand même du revers et capable de passer cette... Pour Spence, devant lui pour Jacob Petit, à la pointe Spence. Et le jeu qui est intercepté à la ligne, on va tenter de s'échapper chez les Tigres. Abramov seul devant le gardien, Abramov, on l'a accroché. Il y aura tir de pénalité, Mathieu. Tir de pénalité, voilà. Wow! Maxime Lemusson ne regarde même pas. Voilà Abramov, s'avance, vitesse moyenne, devant le gardien. Abramov, une feinte, sortir, et voilà le but! Wow! Quel but! Michael Abramov! Capitaine qui permet au Tigre de prendre les devants 2-1. Il a complètement déculotté le gardien Jonathan Lemieux. Et les Tigres, après avoir raté 3 échappées dans le match de jeudi, cette fois-ci, le capitaine ne rate pas sa chance. Et les Tigres passent en rondelle derrière le défenseur Guénette. Mais Guénette a bien fait. Il a réussi à reprendre la rondelle, la repousser plus loin. Poulain en entrée de territoire, passe sur sa droite pour Jankovic. Tire de loin. Oh, quel arrêt! Un petit bijou de la part de Urtubis. Wow! Ah, oh, c'était 2-2, Mathieu, ce match-là. Mais Urtubis qui ferme la porte. Il faudra attendre de s'organiser. Remise de Guénette au centre pour Jacob Petit. Belle fête en entrée de territoire. Laisse derrière Djakovic. On tire. Arrêt de Urtubis. La rondelle qui est balayée par Poulin. Ça rate la cible. Derrière le but, Poulin protège bien la rondelle. Reprise avec Sivigny. Sivigny qui voit la rondelle libre. Attention, Poulin. Il revient devant dans l'enclave. Tire, raté. Et arrêt de Urtubis sur le lancer de Spence. On sent la frustration s'installer tranquillement. Côté des Foreurs, est-ce qu'il est raté? Voilà, Abramov dans son territoire. Il est amené au centre. La porte s'est fermée. Oh, attention. Intercepté dans l'enclave. Un tir qui n'est jamais venu, mais les Foreurs s'installent. Zone adverse, suspense. Son lancé. Arrêté devant le filet. Mais ça a toujours subi. Deuxième occasion. Cette fois, c'est repris par les Tigres. Element 2 contre avec Bocage. Element sur l'aile gauche. Element s'avance. Son tir. Arrêt du gardien. Retour bondi dans le coin. Element reprend. Tire du revers. Fait vers le gardien qui emprisonne la rondelle. Le jeu s'arrête. 48 secondes à jouer à la deuxième. 2-1 les Tigres. Et Mathieu, j'ai envie de te dire s'il avait fallu. S'il avait fallu qu'Element, après une période complètement dominée comme ça par les Foreurs. De Deg, supporté par Sébina, on réussit à sortir la rondelle du coin. Et c'est Bocage qui va de l'engagement jusqu'à l'autre bout. L'Element qui part à la poursuite de la rondelle. L'Element, comme devant le filet, son tir, arrête du gardien. La rondelle est libre, se promène dans le demi-cercle. Et c'est Deg qui était accroché derrière le but, ne pas être en mesure de tirer. Et le dégagement est envoyé à l'autre bout. Prendre leur temps, c'est Roy qui remet au centre. Et revirement, on ramène la rondelle. C'est repris par Element. Element qui laisse à Deg. Deg tente de couper vers le filet. Deg accroché quelque peu. Oh, puis refiler la rondelle entre les jambières du gardien. Tigre. Guénette, derrière son but, tente une passe pour Gaucher, c'est raté. La rondelle qui glisse
derrière le filet des tirs, un dégagement toléré. Michaud reprend. Laisse derrière, attention, c'est trop vite devant Michel, et voilà le but. On a perdu 10, mais pourquoi on a accepté le dégagement, Mathieu? Oh là là. 5-20 à faire à la troisième période. On a accepté le dégagement et les Foreurs en profitent pour créer l'égalité 2-2. Complètement la cible. Dégagement tenté. C'est bloqué par Abramont. Il va aller prendre la rampe. Laisse à Frenette. Frenette, veut devant le filet. Frenette, devant le filet. La rondelle qui est repoussée. On n'a pas été en mesure de tirer. Contre-attaque des Foreurs. On s'amène à 3. Remise de Poulin vers Jacob Pétier. Pétier, son tir. Arrêt d'Ortubise. De retour de l'autre côté. L'insistance de deux adversaires. On rejoint Element. Element s'amène sur l'aile. À la ligne rouge, Element, une feinte devant Spence. Element reprend. Son tir, arrête du gardien rondelle qui a dévié sur Bernard. Là, sur le but qui retourne le long de la rampe pour Poulin. Alors Poulin qui s'avance du revers, il va d'une longue remise. Oh, c'est d'aller. Il y aura pénalité. Est-ce qu'il était dans son territoire? J'ai l'impression, Mathieu, qu'il était dans son territoire. On se consulte chez les officiels. Ouais. Oh, quel moment important. Oh oui, c'est une grosse décision, là, les À la pointe pour Sévigny, sur sa droite pour Abramov, fait un tir, retourne à Sévigny, fait un lancer pour Bocage, se déplace, Bocage, son tir, arrête le mieux, il n'y a pas de retour. Elle est même qui était tout près. Oui, pour prendre un retour, bien la réussite de mieux. 6-25 à faire à la pénètre, mauvaise réception de ce dernier, revirement, c'est Légaré qui s'amène en attaque. Légaré tente de déborder Roy, Légaré veut revenir devant, tir, arrêt de Urtubise. Abramont va entrer le territoire. Une feinte devant Bernard. Bernard ne mord pas. Il y a revirement. Oh, attention. Remise au centre. Deux contre les Foreurs. Avec Duchamp qui s'amène dans l'aile. Duchamp sorti. Arrête de garder le retour. Et Urtubise qui ferme la porte. Nicolas Urtubise. Quel arrêt de Nicolas Urtubise. Justin Duchamp s'en veut. Il a été époustouflant sur la dernière séquence. Il a même bloqué le retour de Duchamp. 2 minutes 25 à faire à la période de prolongation. Poulin devant Bocage. C'est remporté par Bocage. Roy derrière son but. Envoie le long de la rampe pour Element. Fait des vies jusqu'en territoire adverse. Ce dégagement qui est toléré. La rondelle a été fleurée au passage. Guédère vient reprendre derrière le but par la rondelle. Devant. Tutubi, ça tire. Et voilà le but! Wow! Voilà! Voilà le Bocage! Wow! L'éthique l'emporte! La coupe! Wow! Et de retour à Victo! Enfin! Et qui d'autre qu'Alex Bocage? Les Tigres l'emportent! Quel scénario! On a la coupe, Mathieu! La coupe est de retour à Victoriaville! Quelle prestation des Tigres!